Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous dire que le sponsor Lords Mobile de cette vidéo vous offre une PS5, oui madame, une PS5, ainsi que de passer une journée avec moi sur un tournage. Merci Lords Mobile. Lords Mobile, c'est un jeu de guerre et de stratégie hyper populaire dans le monde. Lords Mobile est gratuit, tu peux développer ta stratégie, ton royaume, faire plein de combinaisons, avoir des créatures maléfiques, tout ça. Dans un monde heroic fantasy, donc moi j'aime bien. Donc ouais, c'est un jeu même un peu trash, hein. Tu peux utiliser la magie, emprisonner tes ennemis, brûler leur château, prendre des rançons, tout ça. C'est un petit peu vicelard de temps en temps, mais c'est très rigolo. Surtout quand tu fais ça à tes ennemis. Et puis bien sûr, hein, tu peux les exécuter sans pitié, écoute, comme lors de ma prochaine rencontre avec The Best, Cédric Doumbé. Lords Mobile, c'est un jeu multijoueur, c'est ça qui est sympa notamment, donc t'as une guilde, tu fais des alliances, tu fais des coups de traite, tu te croiras dans Koh-Lanta le truc, mais c'est au niveau médiéval et tu défonces les autres, y a pas de conséquences, c'est sympa. Donc Lords Mobile, un super plan à vous proposer, il suffit de cliquer sur le lien en description afin de télécharger gratuitement le jeu, ça vous donne automatiquement la possibilité de gagner la PS5 et la journée avec moi. Tous les participants recevront sans exception, pendant 7 jours, des tonnes de cadeaux en cliquant sur ce lien grâce à Lords Mobile. Ça fait un total de 350€ pour chacun. Dans le jeu, hein. Mais surtout les gars, ce concours va vous permettre de gagner un cadeau du feu de Dieu, c'est-à-dire participer à un tournage avec Bibi. Tu télécharges le jeu, et qui sait, tu as peut-être gagné. Tu verras que dans la vraie vie, je suis une peau de vache, je suis horrible. Je suis pas du tout comme en vidéo. Pour tout ça, c'est très simple, mais il vous suffit de jouer, plus tu développes ton compte, et plus tu augmentes tes points de puissance. La page événement qui se trouve en description comportera un classement live de tous les joueurs, donc tu peux savoir où tu te situes, je suis premier, je suis dernier, je suis... Mais comme à l'école, t'étais dernier, moi aussi. Donc le joueur qui remporte la compétition, il gagnera la journée avec moi. Hein. PS5, journée avec moi. Ouais, pourquoi choisir? On veut les deux, donne-moi les deux. Les autres joueurs du top 20, ils seront pas en reste, hein. Ils gagneront des cadeaux qui seront exclusifs au jeu. Je suis plus ton petit. T'as pris quoi? J'ai grandi, je suis plus ton petit. C'est vrai que t'as quel âge maintenant? 22 ans. Et l'autre fois t'avais 19 ans. J'allais sur mes 20, ouais. Un enfant? Ouais, j'étais jeune. Maintenant je suis un adulte. T'as fait l'amour? Oui, chez ma mère. Pourquoi tu parles de ta mère là? Je parle pas d'elle. C'est un fou, lui. Il y a ma mère qui regarde les vidéos. Elle se doute pas, du coup? Non. Bah non, parce que c'est jamais rien passé. C'est son petit préféré. Son petit bébé. Mais si elle savait, en vrai. On coupe pas la vidéo. On coupe rien du tout sur Karaté Bushido. Ouais, ça marche. Quand tu vas prendre ton KO, on coupera pas. Vous entendez ce qu'il dit, hein? On va se régler sur le ring. Impossible de le battre. Bon, les gars, vous le connaissez, hein, Alexis Nicolas, très très grand combattant, champion du monde de boxe française junior, champion de France de boxe française senior. Et l'autre fois, j'avais perdu de vue, et je l'ai vu au club, là, et il tournait avec Cédric Doumbé, avec Riyad, ouais. Et un autre gars, là. Il y avait aussi Bouganem, tu étais là? Bouganem. Ah, je sais plus, mais c'était les gars. Chalouki. Ouais. Chalouki, ouais. Des champions en Belgique. Oui, c'est ça, des Belges. Ouais. Ils parlent pas français? Très peu anglais, ouais. Et c'était très très impressionnant. Donc, faudra que je les prenne tous. À la queue leu-leu. Hein. J'en couche un, j'en couche deux, j'en couche trois. On est des dominos. Puis le dernier, c'est Cédric Doumbé, boum, couché. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Relève-toi, Cédric. Du coup, je me suis dit, ce serait cool de le reprendre, parce que j'ai vu, il a beaucoup progressé. Non, c'est vraiment toute beauté. Hein. Et puis j'espère qu'il va combattre bientôt. Ça fait combien de temps que tu as combattu depuis? En fait, c'est compliqué, parce que suite à la vidéo, je me suis blessé juste après. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Donc suite à ça, pendant un an d'arrêt, j'ai repris la rééducation. Et la dernière fois, tu te souviens, j'avais des chaussures. Là, aujourd'hui, je vais essayer de voir ce que ma reconversion vers le kickboxing et le K1 est en train de donner. Donc ma boxe, vous allez voir, elle est en train de... D'évoluer. Et puis voilà, je teste de nouvelles choses avec de nouvelles sensations. Donc c'est top. Parce que ce que j'espère, c'est que tu intègres le glory, c'est ça, hein, le but?
C'est ce que je souhaiterais. Hein. Avec le petit sourire et tout. Ouais, c'est ce que je souhaiterais. Et puis je m'entraîne pour. T'as des pistes? T'as des pistes? J'en ai pas pour le moment, mais de toute façon, c'est en s'entraînant, en travaillant que on va faire parler de nous. J'ai envie de te dire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, que le travail. Enfin, t'es un très très bon combattant, donc en plus il est très gentil. Non, La coupe de cheveux maintenant c'est n'importe quoi. ça a poussé. La fois j'étais blond, la prochaine fois encore j'aurai cheveux On courts. fera un montage, les gens ils voteront. Ou bien je t'en prête. Ah ben, ils sont dans la poubelle les miens là. Hein. Je me suis fait beau pour toi, hein. Il n'y en a plus là. Là là. Donc, et moi ce qui m'intéresse, ce que j'ai vu l'autrefois, ce que tu faisais, Ouais. c'était beaucoup d'enchaînements. Mais c'est un petit peu l'apanage de la boxe française d'ailleurs. Ok. Mais là, tu faisais vraiment des enchaînements. Il faisait des 4, 5, 6 coups. Ouais. Parfois, il doublait, triplait avec le bras avant. Que tu nous expliques tout ça, que tu nous montres. Y a pas de souci. Et puis, après, on analyse les petits rounds quoi, qu'on va faire. Ça marche avec plaisir. Bon, Avec plaisir. on s'échauffe et puis après, on se tape. C'est parti. Bah voilà, c'est ça que j'aime, moi. Tu vois, y a pas de. On tergiverse pas. On tire. Tergiverser, dis-le. Dis-le. Tergiverser. Il est du mal. Ok, allez, à tout de suite. Temps. Oh, la vérité, on va faire qu'un round. On a plus là? Ouais. C'est ma reprise en pied-point. Et super. Bien au-dessus de moi, pas de soucis. J'ai pas envie de me blesser. Ça marche. Encore le doigt et tout, mais bon, il m'a bien niqué. Je vais nous montrer ces beaux enchaînements. Ouais. T'envoies toujours le bras avant. Ouais. Pour faire chier. Et les décalages en low kick retombant. Magnifique. Bon, en fait, là, ma boxe, elle a vachement changé. Là, ce que je regrette, j'ai un petit regret, c'était le premier round. J'ai pris beaucoup de coups inutiles, en fait. C'est vrai. J'ai pris quelques coups inutiles, l'uppercut, je le voyais venir. Mais c'est ma vision, en fait. Et par contre, ce qui était intéressant, à un moment, je suis touché au corps. Ouais, là, ouais.
Le sentier que tu as bien pris. Ouais. Et le kick, je t'ai vu que tu as changé de garde. Oui. C'est quoi, c'est... En karaté, on aime bien changer de garde aussi, donc ça me dérange pas. Mais très beau travail au corps, vous avez vu. Et ces coups sont lourds, ils font mal. Là, sans le casque, ils m'ont peut-être pété le nez. Son bras avant est bien lourd. Et après, il peut bien enchaîner. Direct au visage, après il revient au corps, et ensuite il enchaîne, ça c'est typique du kickboxing. Tu peux nous remonter ça s'il te plaît? Donc vous m'excuserez de faire qu'un round. Voilà, c'est voilà. C'est un athlète de très très haut niveau. Il fait bien mal. Même s'il est qu'à 70%, il fait mal. Donc, qu'est-ce que je vous dis? C'est ma reprise en boxe, ça fait 2 mois que j'ai pas boxé. Ok. Voilà. Là, un enseignement que j'aime bien, donc du coup maintenant c'est différent de la boxe française. La distance elle est beaucoup plus proche. Et donc là je suis en train vraiment de me perfectionner dans ça. Ah, tu me mettais bien les tibias. Hein. Là ouais, j'ai essayé. Là il m'a fait très mal au moment de faire un low kick. Ouais, je l'ai senti. J'ai fait. Aïe. Donc là c'est totalement différent, c'est une autre énergie. C'est vraiment les hanches. Donc là c'est tout nouveau pour moi. C'est direct du bras avant. J'ouvre, hyper tout au corps. J'ouvre. Et je viens frapper avec les tibias au niveau de la cuisse. Et avant, souvenez-vous, tout était beaucoup plus long en boxe française. Oui. Direct du bras avant, j'allais ouvrir légèrement, ou j'aurais pu avancer, simplement là j'aurais dû décaler davantage et frapper avec le pied. Ou bien tout de suite là, et là frapper avec le pied. Donc c'est une boxe totalement différente, mais je me sers des deux pour être au plus efficace possible. Je peux essayer? À toi, vas-y, plaisir. Donc tu piques. Direct du bras avant, j'ouvre le pied. Ouh. Voilà. C'est ça? C'est ça. Voilà, c'est l'important, c'est de bien piquer le bras avant. En fait, le bras avant, c'est l'arme la plus importante. Donc ouais. Tu viens, tu tapes ton bras avant, tu protèges bien, tu protèges tout ton corps. Ouais. À partir de là, tu as déstabilisé déjà. Ouais, et comme je le tends au maximum, je suis très loin de toi. D'accord. À partir de là, j'ouvre le bras avant, toi, tu es encore dans la zone du bras avant. Ouais. À peine là, tu vas peut-être voir me remettre un bras avant ou un bras arrière. Tu es déjà parti. Ouais. Hyper cuit au corps. Ouais. T'as mal, tu te baisses. Et là, moi, je suis déjà parti. Même si on revenait avec le crochet, je suis en garde et je frappe. Il m'a bien enchaîné dans les coins là. C'est ça. C'était très bien. Après, et les super cuits, pourquoi tu les as pris? Parce qu'en fait, t'es plus grand que moi. Moi, d'habitude, je suis un des plus grands dans ma catégorie. Donc, j'essaie de boxer de loin. Ouais. Et même quand je colle, je suis beaucoup plus. Et en fait, comme toi, t'es grand. Ouais. Donc, toi, tu vois, ton bras, il est là. Il est déjà au niveau de ma tête. Et toi, t'as pas. Je le voyais pas venir, en fait. D'accord. C'est tout simplement. Tu vois, t'aurais été un peu plus petit. Je l'aurais peut-être plus vu venir. Là, comme t'es grand. Je t'ai bien mis, faire plus de crochet. Voilà, c'est ça. Tu vois, j'étais en garde, mais mes bras, c'est tout simplement trop écarté. Et il faut que je retravaille sur ça, en réalité. Donc, c'est des réglages. On se refait une minute. Petite minute tranquille. Toujours, une minute. Vas-y, sans casque et descendu. Si, avec le casque. Avec casque. Jamais le casque, les mecs. Il peut me tuer. Lui, il est jeune, il est fougueux, il s'en fout. Quand on vieillit, après, on prend conscience des dangers. Donc, après, voilà, moi, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience des dangers, c'est ce que tu dis. Protégez-vous au maximum au niveau des mains. Avant, je frappais sans mes bandes. Si bien, mettez les doubles épaisseurs. C'est important. Moi, je me suis fait une rupture des ligaments croisés. C'était comment, d'ailleurs? Trop d'entraînement. Beaucoup trop d'entraînement. J'avais fait 15 combats dans une saison. 15. Des combats? Ouais. Au cas où. C'est toujours même stat qu'à la dernière fois. 31 combats, 28 victoires et 12 KO. D'accord. 13 avec le tien que j'avais mis la dernière fois. Ah, il a fouillé. 13. On le remarquera de toute façon. On va se refaire une minute. Une minute plus tranquille. Vas-y, et comme ça on peut plus s'exprimer. Je mets pas le casque là du coup. Moi je le mets, je préfère. Avec plus, il n'y a pas de soucis. Ok, on va essayer de plus travailler en enchaînement. Voilà. Comme ce que j'ai vu. Mais vous avez vu que. C'est. Là, j'ai remarqué que tu tournes moins. Ouais. Tac, moins félin, t'es un peu plus statique. Ouais. Et plus rentre dedans comme en kickboxing K1, c'est ça. Quoi, c'est ça, hein? Là, je suis en train de me trouver dans mon style, en fait, parce que en boxe française, j'étais très dynamique, je partais partout. Ouais. Et là, je dois être dans une boxe plus posée. Donc là, je suis en train de m'adapter à un autre style de boxe. Tu cherches à faire plus mal, quoi. Plus mal, et par la suite, moi, mon but, ce sera justement d'optimiser mes atouts de la boxe française. Absolument. Et quand il faudrait te poser, frapper en kickboxing. Puis finir comme Ernesto Houst. C'est une référence, donc allez regarder Ernesto Houst. Et plein d'autres. À mon entraîneur, à Alain Kifo et tous ces grands boxeurs. Allez, une petite minute, et puis on remballe. Hop. Donc plus léger, plus ton enchaînement. Voilà, c'est ça. Hop. C'était comment, moi? Toi, c'était bien, ton anglaise, elle a bien progressé. Ouais. Surtout ton anglaise a bien progressé. Cool. Allez. Oh oui!
T'es soufflé là aussi. Ouais, je suis soufflé. Hein, bah, c'est au niveau de la nuit au sol. J'ai essayé de te retourner un petit peu. Ouais. Je me suis laissé faire. Ouais, ouais. Non, c'est... Il y en a mis plus de... beaucoup plus de coups. Oui. Des coups un peu plus inutiles. Pour perturber. C'était très vif, tu vois. Et ça m'a fait penser un peu à ce qu'on fait en boxe française. En assaut. En assaut. Donc c'est des... Donc, comme je pense en karaté, ça peut se faire. Sans chercher le coup dur. Sans chercher le coup dur. Et c'est un autre effort physique. Vous avez vu de très belles techniques. Très pures. J'essaie de te mettre le chassé latéral. Je vous l'avais montré là. Dans la dernière fois, précédente. Celui-là, là. Celui-là, il passe bien. Ouais. Le revers. John Jones qui fait beaucoup. Ouais. Et plein de coups comme ça. Très virevoltant. Comme quoi on peut associer les deux. Et voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que tu vas aller au Glory? Moi, quand je serai prêt. Parce que là, j'estime que j'ai encore beaucoup, beaucoup de boulot. J'ai vraiment de travail. Faut pas se précipiter. Et voilà, je suis un charbonneur, je travaille sur les réseaux sociaux. C'est pas la priorité, mais je commence un peu à me faire une bonne visibilité. Grâce aussi un peu à la vidéo la fois. Karaté Bushido m'avait... Un peu beaucoup. Un peu, tu vois, pas trop. Non, ça m'avait apporté pas mal de visibilité, donc... Merci encore à toute la communauté de Karaté Bushido, à tout le monde. Et voilà, faut nous soutenir, on en a besoin. Ah bah, suivez-le, c'est un très beau boxeur. En plus, très gentil. Est-ce que tu peux me remontrer une petite technique pour faire kiffer? Genre un coup de pied retourné ou... Ton coup de pied retourné, t'as vu, il est bien passé encore. Il est bien passé, ouais. Bah, j'ai réussi à bloquer, mais ouais. Il était nickel. Tu nous remontes Le chassé tournant. Ouais. C'est que j'ai mis. On est là. Et tu le fais dans le corps. Il peut se faire au corps et à la tête. Là, tu vas le faire au corps. On va faire au corps, tranquillement, gentiment. Donc là, pour décomposer, on monte sur la pointe de pied, ok. On tourne. Sans décaler. Non, on peut. Il y a plein de façons de le faire. À partir de là, on lève et pam, on va chercher le foie. D'accord. Ok. Ouais. Vitesse réelle. Ah, vitesse intermédiaire. Je laisse. Ouais, laisse. Tu gères. Vitesse intermédiaire, ça va faire ça. Ok. Ouais. Et après, on peut le faire aussi en sautant. Ouais. Tu vois. Donc là, je vais tourner. Pam. Je peux essayer comme tu le fais. Pointe de pied. Monte sur la pointe de pied. Tu tournes. Tu me regardes. Non, tourne encore plus que le pied. Pam. Jusqu'à mort. Ah d'accord. Pam. Tu me regardes. Tu lèves. C'est ça. Ok. Ouais. Faut vraiment que tu regardes parce que tu vois, si tu regardes pas. Bien sûr. Tu vas fuir. Tu vas partir là-bas. Ok. Monte sur la pointe de pied. Toi, tu me regardes, pam. Ah oui, c'est... Exact. Tu vois, t'as accent plus grave, là. Ouais, pam, rotation. La rotation. Voilà. C'était les testicules. Non, ça va. Ah, tu plaisantes? C'est une blague, c'est une blague. Ok. Ok. Donc, voilà. Et voilà. Et ben voilà, les gars. Alexis, bah, j'espère que ça vous a plu. Vous abonnez à la chaîne, vous mettez un pouce bleu. Moi, je reviendrai un peu plus costaud la prochaine fois. Voilà. Je vous avoue qu'après 2 mois d'arrêt, là, avec mon bobo... Bien sûr. Je peux pas y aller à fond. Quoi qu'il arrive, il m'aurait défoncé s'il avait mis la vitesse supérieure. Après, si je peux rajouter quelque chose, c'est que là, on a fait qu'une reprise de 2 minutes. Un combat, ça se construit. Bien sûr, bien sûr. C'est sur 5 reprises. Là, vous voyez, au niveau des low kicks, le travail de sable que j'étais en train d'effectuer, sur un 5 fois 2 minutes, ça aurait été compliqué pour n'importe quel adversaire de se prendre des quoi répétitions. C'est pour ça que là, je suis en train de travailler les blocages. Tu vois, et voilà. Donc, voilà. C'est vrai qu'en boxe française, on les bloque pas beaucoup. En boxe française, c'est vraiment, tu vois, on est là, je retourne pas, ouais. Je bouge. Je remise, tu vois, c'est vraiment l'art du déplacement remise. Et en kickboxing, boum. Hop, là, excuse-moi, là, ouais, boxe française, pam, je vais être là. Ouais. Et en kick, boum, tu vois, je vais être là. Donc la distance n'est pas la même. C'est vrai. Envoie. Vas-y. Boxe française, hop. Hop. Donc là, comme je te disais, là, tu vois, au niveau de la boxe française, ouais. Faut à chaque fois remiser. Donc ouais, là, tu vas faire ça, tu vas essayer, pam, et revenir tout de suite. Tu vois, tu retires, tu reviens. Ouais. Tu vas pas partir les deux. Tac, tu reviens. Juste une jambe et tu reviens. Vas-y, on voit. Pam pam, tout de suite, ok, pour être bien dynamique. D'accord. Pam pam. Donc, tu vois, je suis là. Et c'est ça, un petit jeu de chat et la souris. Et en kick, tu vas. En kick, tu vas bloquer. Boum. Ensuite, pam. Pam. Et ça, vraiment, tu l'as bien fait. C'est vraiment classique du K1. C'est. Tu armes, fais ton crochet, tu décales. C'est ce que Alain fait travailler beaucoup, Zanki. Ouais, je travaille beaucoup ça, ouais. Les crochets, décalage. Crochet, direct, je travaille toute ma panoplie. Là, c'est un entraîneur très rigoureux. C'est-à-dire que quand je suis avec lui en vrai à l'entraînement, je suis un débutant. Je me remets même en doute pour savoir si je sais réellement boxer, pour vous dire. Donc, mais tu fais le sparring à Doumbé. Ouais, j'ai eu la chance de boxer avec Cédric Doumbé. Et il m'a dit au dernier round, il t'a mis un petit KO. Non, pas un KO. Quatrième round, il m'a secoué, je lui ai mis un petit high kick. Ah oui. Ouais, c'est un gros bosseur, tu vois. J'ai vraiment la chance de.
Parce que je les ai vus, c'était plus il y allait plus fort que ce qu'il a fait là. Ouais. Et pendant plein de rounds, c'était hyper impressionnant avec des grands champions. Je vais amener Riyad. Ouais. C'est très gentil. C'est des mecs inspirants, c'est des mecs vraiment. C'était en fait 2020, c'était compliqué par rapport au Covid, ma blessure, mais c'est vraiment une chance qu'on a de garder la motivation. Entraînez-vous, faites-le pour vous parce que tout le monde ne le fait pas. Et quand on va revenir, quand on va repartir, faudrait être prêt. Exactement. Faudrait être prêt. Donc gardez la motivation. Si je peux vous donner ce conseil-là. Venez me follow sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas Barboza. On va l'écrire juste là, ici. Précisément là. Oup. Le mien est mieux, donc on va le mettre ici. On va le mettre là. Non, voilà, venez nous follow, venez nous donner de la force. On a besoin et ça va bien se passer. Merci les gars. Merci. Merci frérot. C'est toujours un plaisir. À bientôt les gars. Alors les gars, je vous le rappelle, téléchargez ce jeu, Lords Mobile. C'est gratuit. C'est de la balle, c'est de la bombe, c'est de la boulette, comme on dit chez les jeunes, je ne sais plus. Vous le téléchargez, puis vous jouez, puis comme ça vous pourrez gagner votre PS5 et la journée avec moi, c'est facile, c'est sympa, on s'amuse, on kiffe, c'est basile. Et puis n'oubliez pas que tous les participants recevront des tonnes de cadeaux pendant 7 jours. Téléchargez Lord Mobile. Et vous gagnerez 350€ dans le jeu, hein. C'est pas des vrais. Non parce qu'il y en a, Non mais je vous connais les gars. Téléchargez Lord Mobile. Tout est en description. Merci.